Une des femmes locales qu'on a mis en avant dans l'exposition, c'est une héroïne de la résistance française en Normandie, Louise Boitard, dont le rôle a quand même été mis en avant dans le film Le jour le plus long, en 1960. Donc cette femme a contribué à l'effort de guerre à sa manière, en prenant des risques, c'est-à-dire en aidant des pilotes crashés en Normandie, des pilotes de l'aviation royale, en les cachant, leur fournissant des faux papiers pour organiser leur évacuation puis leur retour vers l'Angleterre pour redevenir actifs. Donc c'était une énorme prise de risque dans le sens que voilà, si on était pris par l'ennemi à faire ce genre de mission pour aider les alliés, c'était automatiquement des lourdes conséquences, voire même la mort. Donc c'est une décision consciente et des actions concrètes qui ont aidé les alliés à éventuellement ben, arriver en Normandie.